Motion L, donc adoptée le samedi 9 juillet 2016. Pour une révolution verte, ici et maintenant, portée par Françoise Lamartine, Pascal Bourgois et Christelle de Crémier. Exposé des motifs. Nous sommes à la croisée des chemins, l'écologie ou la barbarie. Le débat des présidentielles va nous offrir l'opportunité d'imaginer une nouvelle société. Une société bienveillante, enthousiaste et mobilisatrice qui donne du sens à la vie, repousse les idéologies mortifères, qui s'appuie sur un nouveau modèle écologique, économique et démocratique à construire collectivement. Un nouveau modèle économique, car le cycle qui a débuté avec la Seconde Guerre mondiale est épuisé. Il n'y aura pas de retour de la croissance. La réalité physique l'a emporté sur la virtualité économique. Pour tenter de survivre, le vieux modèle détruit de plus en plus rapidement la nature, les liens qui relient entre les êtres humains et les liens qui relient les êtres humains et la nature. Notre espèce est dans une trajectoire de suicide collectif. Il est inexorable si nous ne changeons pas, ici et maintenant, de modèle économique. Ce changement peut nous être imposé par une élite aux abois. Il peut aussi se construire démocratiquement avec les citoyens, dans le cadre d'un nouveau modèle, plus local, horizontal, direct, associé au quotidien le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens. Une nouvelle civilisation est en train d'accoucher dans le cadre d'une crise globale, systémique, où chaque crise s'auto-alimente et alimente les autres. Le pire ou le meilleur peuvent en sortir en fonction de nos choix d'aujourd'hui. Si nous voulons que les générations futures, nos enfants et petits-enfants puissent avoir un avenir, nous avons 15 ans, à partir de maintenant, pour changer radicalement de modèle économique et démocratique. Une citation de Dominique Bourg, philosophe, vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. Il est probable qu'on se casse la gueule, même si le pire n'est jamais certain. Je ne m'appelle pas Madame Soleil, mais si je voulais m'amuser à faire des prévisions, je pourrais dire qu'on risque de vivre un mélange entre le délitement de Rome, qui a pris des décennies, et le XIVe siècle, quand se sont déroulées à la fois la guerre de Cent Ans, le petit âge glaciaire et la peste noire qui a fait des ravages et a oxy un tiers de la population affamée. Un mélange de ce type nous pend au nez. Par rapport à ce qu'il aurait pu être, cet accord est un miracle. Par rapport à ce qu'il aurait dû être, c'est un désastre. Si les promesses des États, suite à la COP21, sont tenues, nous aurons 3 à 3,5 degrés d'augmentation de température. C'est beaucoup trop. Nous ne pouvons consommer que 30% des réserves connues d'énergie carbonée, sinon nous dépasserons les 2 degrés d'augmentation. Or, notre modèle économique repose sur une énergie disponible et bon marché. Elle doit rapidement devenir rare et chère. Nous saurons que le marché aura intégré cette information le jour où les multinationales du pétrole auront perdu 80% de leur valeur. Elles reposent sur leur stock. Les pollutions se multiplient. 2 décès sur 3 dans le monde sont le fait des maladies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, cancers, diabète, etc. Le cancer touche 1 homme sur 2 et 2 femmes sur 5. Les coûts générés font exploser les systèmes de santé. Nous sommes confrontés à la 6e crise d'extinction des espèces. Elles disparaissent à un rythme 100 à 1000 fois supérieur à la période pré-industrielle. La nature est notre assurance-vie. Il n'y a pas d'avenir pour l'espèce humaine si nous continuons à détruire la vie, à détruire la nature. Nos destins sont liés. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la croissance baisse en moyenne de 1 point par décennie. 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, etc. Nous en sommes actuellement à plus 0,5. Elle sera négative en moyenne à partir de 2020. Depuis 2008, les masses financières en circulation aux USA ont été multipliées par 3. 97% de celles qui circulent sur la planète sont de la spéculation. Loin de l'économie réelle, on fait de l'argent avec de l'argent. Des bulles financières gonflent. Elles vont exploser dans les prochains mois ou les prochaines années, avec en perspective des crises du type de celle de 2008, avec une puissance 2 ou 3 et de graves conséquences économiques et sociales. La classe politique est totalement décrédibilisée. 14% des Français font encore confiance aux partis. Le FN et l'abstention progressent régulièrement. Les attentats terroristes se multiplient. L'état d'urgence s'installe. Les libertés publiques régressent. Du fait des progrès de l'informatisation et de la robotisation,
50% des emplois risquent de disparaître dans les 20 prochaines années. Après la disparition des emplois des classes populaires délocalisées en Chine, ce sont maintenant les emplois de la classe moyenne. Le rapport du Club de Rome de 1972, piloté par Denis Meadows du MIT, intitulé « Halte à la croissance », a été réactualisé en 2002. Sa conclusion en a été « Tout se déroule comme prévu pour que survienne le désastre ». La population mondiale se stabiliserait en 2030 pour ensuite régresser. Nous en connaissons les modalités, guerre, famine et maladie. Une seconde citation de Edgar Morin, philosophe et sociologue. La catastrophe est probable, mais il y a l'improbabilité. J'entends par probable que pour nous observateurs, dans le temps où nous sommes et dans les lieux où nous sommes, avec les meilleures informations disponibles, nous voyons que le cours des choses nous amène à toute vitesse vers les catastrophes. Or, nous savons que c'est toujours l'improbable qui a surgi et qui a fait la transformation. Car aujourd'hui existent des forces de résistance qui sont dispersées, qui sont nichées dans la société civile et qui ne se connaissent pas les unes les autres. Mais je crois au jour où ces forces se rassembleront en faisceau. Tout commence par une déviance qui se transforme en tendance, qui devient une force historique. Nous n'en sommes pas encore là, certes, mais c'est possible. Le modèle économique actuel ne profite qu'à une élite restreinte. Les multinationales n'existent que grâce à notre soutien. Si nous n'achetons plus leurs produits, elles disparaissent. La nature des produits que nous achetons détermine le modèle de société dans lequel nous vivons. Nous avons aujourd'hui plus de pouvoir avec notre carte bancaire qu'avec notre bulletin de vote. Inspirons-nous des inventeurs de l'économie sociale, souvent des syndicalistes, qui à la fin du 19e, au début du 20e, pour satisfaire des besoins sociaux cruciaux, non couverts par les pouvoirs publics, encore moins par les entreprises, ont inventé les coopératives, les mutuelles, les associations. Elles pèsent aujourd'hui 10% de l'économie et des emplois français. L'écologie politique avait 20 ans d'avance. Elle a maintenant 20 ans de retard. Retrouvons la vitalité intellectuelle et l'énergie créatrice de ces inventeurs. Mettons l'écologie politique à leur service. Nous avons un défi crucial à relever. Changeons de paradigme, de logiciel, de vision du monde. Soyons des acteurs clés de ce changement de civilisation. Motion. Le Conseil fédéral de ELV, réuni les 8 et 9 juillet 2016, décide que dans le cadre de la campagne électorale des présidentielles, ELV mobilisera l'ensemble du parti, ses élus, l'ensemble de la société écologique, citoyens, universitaires, activistes associatifs, entrepreneurs et élus locaux, sur la reconstruction collective et écologique d'une nouvelle économie et d'un modèle démocratique renouvelé et relocalisé. D'appliquer la permaculture à l'économie, prendre soin de la planète, prendre soin de l'espèce humaine, produire et partager. Les règles de cette nouvelle économie sont de bénéficier au territoire où elle se trouve, de rendre nos lieux de vie plus résilients, de produire peu de carbone, d'économiser les ressources, qu'elles soient gagnantes à la fois pour l'entrepreneur et le collectif, et si possible, coopératives. Créant du lien social, des réseaux qui impliquent le plus grand nombre possible de personnes et de structures. De poursuivre sa lutte contre les grands projets inutiles, mais en parallèle, d'agir concrètement comme militant, comme élu, pour construire localement, individuellement et collectivement, les alternatives, le monde écologique de demain, de contribuer activement à la création d'un écosystème résilient d'entreprises de petite taille, qui reconnecte les gens avec leur territoire, qui raconte une histoire différente, qui dessine un futur positif. Les énergies vertes, l'agriculture relocalisée, offrent un potentiel considérable de création d'emplois qui répondent aux enjeux majeurs de notre société. Et enfin, de travailler à la convergence des initiatives, à l'atteinte de la masse critique, qui fera que ce qui aujourd'hui paraît impossible, paraîtra demain évident.